c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bon, avant que la vidéo commence, j'ai 2-3 petites choses à vous dire pour que vous compreniez mieux la vidéo. Déjà, on est presque 40 000. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment un truc de fou. La surprise va arriver et là, vous allez être vraiment contents. Eh les mecs, si le jour où je poste cette vidéo, on a les 40 000 abonnés ou même on les a eu avant, dans les commentaires, je veux des félicitations. On se félicite tous, on se serre la pince, on ouvre les bouteilles de champagne. Dans les commentaires, on fait tout péter la boîte de Nike, quoi, non? Donc à l'heure où je vous parle, il manque 200-300 abonnés avant d'être 40 000. Du coup, je compte sur vous. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Mais comme d'hab, on remet en place le challenge des pouces bleus. Cette fois-ci à 4 000 pouces bleus. Je vous poste une vidéo mercredi à 18h34. Merci à tous de suivre ce challenge avec moi. C'est vraiment un truc de fou. Et dans cette vidéo, vous allez aussi la kiffer. Il y a à peu près deux parties. Il y a une partie où je vais lever en vue GoPro, où je vais lever où un abonné va me filmer. Du coup, j'ai essayé de vous faire un petit montage où je vous ai mixé les deux. Un truc muy caliente. À la fin de la vidéo, vous avez mon ressenti, le ressenti de l'abonné, du coup n'hésitez pas à les voir. Vous avez même des petits plans de route de campagne sympathiques, poignées dans l'angle mon pote. C'est vraiment un truc magnifique à voir quoi. J'attends vraiment de vous conseiller pour lever parce que je veux vraiment lever cette bécane quoi, ça pourrait être un truc de fou. Et là, on y était quand même un peu... Enfin, c'est déjà un bon début je pense. Dites-le moi en commentaire, je vous attends nombreux et nombreuses. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, venez me suivre sur Instagram. Bonne soirée à tous, bonne vidéo, profitez bien, ciao. Je dis ça, je dis rien, mais il se pourrait que j'ai tourné quelques vidéos avec des abonnés, des tests de bécane, donc n'oublie pas d'activer la petite clochette si jamais t'es abonné mais que t'as pas fait ça. Et puis si t'es pas abonné, bah n'hésite pas à le faire quoi. Allez, bisous bisous. Toi, je vais te monter en l'air. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que vous étiez plusieurs à me demander. Léo, essaye de lever le bébé. On va lever le truc, on va lever la bécane. J'espère que je vais réussir. Je vais direct cash vous dire comment vous m'avez dit de faire. Donc je passe la première tout en roulant, genre quand je suis à 5 km/h, j'embraye. Donc je désaccélère, genre j'accélère plus, j'embraye. Et d'un coup, je mets les gaz à fond et je lâche l'embrayage d'un coup. Mais moi, j'ai peur parce que regardez, c'est un embrayage domino d'origine, t'as capté. Et j'ai peur de le casser parce que moi, j'ai déjà cassé ça. Pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, j'avais déjà cassé ça et du coup, j'avais dû le changer. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y a des risques de lever en origine. Parce que, enfin, vous le voyez là, tout est full origine. Ça, c'est une bécane de compète. Ouais, ouais, compète, ouais. Ouais, ouais. Bref, les mecs, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'apprendre à lever parce que je trouve qu'en vidéo, ça rend super stylé. Bien sûr. Les petits équipements, dites-moi aussi si vous voulez que j'enlève ça. Parce que dans les commentaires, je vous vois hein. Enlève ton rétro, ça sert à rien. Je suis d'accord, je regarde jamais dedans, à part si je regarde la GoPro dedans, je regarde que ça filme bien. Mais si vous voulez que je l'enlève, moi vous me dites, je l'enlève les mecs. Il y a aucun souci, je pense qu'il y a qu'une petite vis là ou là, je sais pas. Mais ça va vite fait être fait quoi. On va essayer de lever le bébé aujourd'hui. Mais j'espère que je vais pas me retourner. Vous m'avez dit, ouais, tu mets ton pied ici sur le frein, sauf que moi, regardez les mecs, j'arrive pas à rouler, il y en a, ils roulent comme ça. Le pied direct sur le frein, non, moi je roule comme ça et quand je freine, je dois lever pour aller freiner. C'est une galère. En plus, je suis en jean, il fait 36 millions de degrés, c'est horrible. Et je vais essayer d'avoir le pied là, de toute façon. Je pense que ça sert à rien d'avoir les mains là parce que enfin, ça sert à rien de freiner quand la roue elle sera enfin, pas sur le sol. Peut-être que quand on arrive, faut freiner. Mais vas-y, sinon on part en stoppie, bref. En tout cas, si la vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, vous avez vu tout le temps le challenge. N'hésitez pas à vous abonner, bientôt 40 000. Je vous le dis à toutes les vidéos, mais la surprise, vous n'êtes pas pressé, insane. Donc allez, j'ai le casque avec la GoPro. On va se faire là des petits allers-retours. On va essayer de lâcher l'embrayage sans rien casser. Si je casse quelque chose, c'est de votre faute. On va essayer de faire ça, je m'équipe. De toute façon, j'ai le blouson, j'ai le jean, j'ai les chaussures en cuir. En cuir, oui, t'as capté. J'espère que ça va être cool. Dites-moi si vous aussi, vous avez le même problème avec vos chaussures. Moi, ça me défonce toutes mes chaussures. Donc ça, c'est devenu mes pompes de moto avec le sélecteur là. Mais je pense que je pourrais mettre un petit truc là pour protéger. Sauf que un cache, bah il va pas tenir. Parce que regardez ce qu'il fait mon sélecteur, il est chelou ouais. J'ai trop parlé, je m'équipe. Et place au cabrage à la Acrobat 9-4 9-3. Ouais, Acrobat. Bip, 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 bip. Et je sais pas jusqu'où il faut mettre plein gaz. On va essayer ça sur la GoPro, c'est parti. Carré. C'est bien là ou pas? En plus, oh, il y a de l'eau derrière. Oh, c'est carré de fou! Ah là là! Parfait. Bon, comme vous l'avez vu à l'intro juste avant, aujourd'hui, on va tenter de lever ça. Vous m'avez dit que tout se lève, c'est juste une question de talent. Mais j'ai la chose qui se lève, mais la question, est-ce que j'ai le talent? On va bien voir ça dans cette vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'appliquer vos conseils. Merci à tous de m'en avoir donné et j'espère que c'était les bons.
et que ça va fonctionner. En tout cas, je suis en origine, transmis 14-18. Ah non, ça c'est la guerre, merde. Transmis, oh je sais plus, 14-56, je crois, ou 13-56. Bref, on embraye pour démarrer. Et c'est parti, on va essayer de lever. Donc vous m'avez dit, ma première, je me mets genre à 5 km/h. On va faire un tour de chauffe du rond-point. Voilà, genre à 10, à 5. Ouais, alors comme ça, hop, mettre des coups de gaz et lâcher tout d'un coup. Ça part, mais genre ça lève pas, tu vois, ça je comprends pas. J'ai le pied, j'essaye d'avoir le pied sur le frein. C'est pas forcément évident, on va essayer, hop, on embraye. Ah ouais, ça donne un à-coup, mais je sais pas si la roue elle se lève, la roue avant. Là je suis peut-être un peu rapide, voilà, on embraye. Ah ouais, putain, et ça donne un... Waouh, ça envole, hein. Ça lève pas trop, peut-être qu'il faut que j'appuie et que je lâche en même temps. Mais si je commence à me mettre debout et tout et que je tombe, c'est la merde, non. Je lâche bien l'embrayage là, mais ça a pas l'air de partir, on va essayer de faire ça sur une ligne droite. Peut-être aller plus vite, je sais pas, ou peut-être me mettre en deux. Je pense que plus t'es haut, plus c'est nerveux au départ. Ou inversement, je ne sais plus, à me confirmer dans les commentaires. Donc là on est à 5, on embraye, on met les gaz à fond. Non, vous avez vu, ça a pas envie de partir. Eh hey Léo, penche-toi un peu en arrière. Fais comme sur les scooters. Quoi? Fais comme sur les scooters, penche-toi un peu en arrière. Ah ouais. Moi c'est comme ça que je fais, j'utilise pas d'embrayage moi. Ah, voilà, c'était déjà un petit peu mieux. Oh, dommage, j'étais bien placé. T'as pas envie de lever, hein? Non, je vois ça. Oh, elle était bien. Ça se lève déjà un peu mieux. Déjà. Ah, dommage. Celle-là, c'est la bonne. Ça veut pas, hein? Non, je sais pas. J'y arrive pas. Je sais pas, peut-être qu'il faut partir à l'arrêt comme ça. Ouais, d'accord. Ça a levé, ça a levé, je vous promets que ça a levé. Je vous promets, je suis pas un mytho, ça, la roue elle s'est décollée du sol. Regardez, là en plus je suis en pente, du coup c'est bien, ça peut peut-être m'aider. Ça a décollé légèrement, mais tout à l'heure on l'a vraiment senti. Je fais frotter le genou. Est-ce que j'essaye de partir en deuxième? Je pense que faut que je reste en première, c'est pas un bon bail. Je pense qu'après faut que je continue et faut pas que j'arrête d'accélérer. Ah, ça décolle, mais genre légèrement, faudrait mettre une caméra à l'avant pour voir. Mais au moins de 10 cm hein, je pense, hein. Ou peut-être un peu moins. Oh là, ça a bien décollé. Et quand je suis là, ça décolle bien sur cette ligne. Attendez, c'est peut-être là le terrain qui fait les choses. Oh là, ça a bien décollé de fou. Oh, là, si vous l'avez pas vu, je vous promets que là, si vous l'avez pas vu, vous mentez. Si là, vous avez pas vu que j'ai au moins décollé 20... Allez, je mens pas, je pense là, facile, 15 cm. Vous voyez les petites règles? Oh, je vous promets que là je l'ai senti. Ah ouais, là clairement, là ça lève. Là, si vous me dites pas que ça lève pas. Mais après, comment le tenir? Je pense qu'il faut déjà que j'arrive à un genre de point d'équilibre ou je sais pas quoi. Ah ouais, ouais, plus je mets des gaz, plus ça va partir. Faut peut-être le tenir à un doigt ou une manière spéciale de le tenir. Parce que là, tout à l'heure, j'arrivais bien à lever. Hein. Enfin, je trouve que c'était bien. On va essayer d'aller lever sur la route. Faut que je pense qu'il faut encore donner plus de gaz. Ah ouais, là j'ai clairement décollé là. Là ça lève trop bien. Non, peut-être pas, mais ça lève bien. Faut au moins que j'aille jusque là au R. Là mes rapports ils sont bien. Attendez, j'essaye de m'appliquer sur le passage de mes rapports. Si là ils sont pas bien, je comprends pas là. Regardez, je vais vous faire une petite pointe là. Ouais, la derby elle avance pas, vous allez voir. Je suis là, garçon, qu'est-ce que t'essayes de faire là? Là j'étais qu'en 5ème à 70 hein. Ceux qui disent oui, pas d'origine en patate. Non, pas de patate en origine. Allez, là je pense que c'est un bon spot pour lever. J'ai un peu de mal. Franchement, je pense que je devrais vous mettre une caméra à l'extérieur. J'essaierai de faire des plans avec une autre caméra pour vous montrer que la roue décolle quand même, tu vois.
Parce que je suis pas un mytho, hein. Normalement, ceux qui ont l'œil, vous l'avez vu, les pros du wheeling. Mais dites-moi après s'il faut que genre je fasse ça, que j'appuie sur la fourche et que j'arrive à tout lâcher, donner une impulsion de cul. Et après, je pense que là, ça sera bon, non? J'arrive déjà à lâcher l'embrayage, à accélérer. Après, vous m'avez dit qu'il faudra pas hésiter à appuyer sur le frein. Ah ouais, bah. Et moi, je fais comment là? T'es bien gentil, toi, mais. Je pense qu'il faut que j'aille à Seclin le dimanche avec tous ceux qui font du wheeling et que j'aille leur demander comme un petit excusez-moi, comment on fait pour lever la roue avant? Mais en vrai, en ça, je pense que c'est ça. Il faut s'entraîner des meilleurs pour devenir le meilleur. Je vais contacter Gringo, Acrobat 93, je vais contacter des mecs du milieu quoi. Bah ouais, quand on sait pas prendre un tournant, Zubby. Oh, si j'étais pas là, elle voulait le prendre en intérieur, donc c'est dû remettre ses roues là au niveau de la plaque d'égout. Vous avez vu comment elle m'a regardé? Ouah. Oh putain, ce que j'ai fait. Mon pied, genre j'ai levé ma vitesse, mais genre ici. Genre j'étais pas sur le sélecteur, et du coup j'ai reclaqué le point mort. Et du coup c'est pour ça que ça a fait ça, et du coup j'ai mis ma deuxième au lieu de mettre ma première. Mais en vrai, je pense qu'une 50, c'est très bien pour commencer à lever. Genre, c'est pas trop puissant, mais je pense que le mieux, c'est ça reste largement une YZ. Hein. Enfin, une YZ, enfin une motocross, quoi. Parce qu'on voit des fois sur les départs, les coureurs, enfin les coureurs, non. Les courseurs, là, ceux qui font la course. Ils partent, frère, la roue, elle est déjà en train de lever, ceux qui font des courses du motocross. Wouah, mon arrière il s'est levé comme ça, genre je l'ai senti revenir dans mes fesses. Wouah, faut vraiment que j'aille mollo hein. Mais genre je comprends pas, moi ça me fait rien de les prendre super rapidement les dodanes, mais la moto elle aime pas ça hein. Ah ouais, un tour. Wouah. Mais j'espère que dans mes autres vidéos, vous dites que j'arrive pas à passer mes rapports, qu'il y a quand même des rapports que j'arrive à bien passer, quoi. Sinon, ça veut dire que ma conduite, c'est zéro. Notez, tiens, ma conduite dans les commentaires. J'ai envie de savoir combien vous me donnez sur ma conduite au niveau du passage des vitesses et des trajectoires. Je pense que les mecs, la bécane, elle est pas adéquate. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je pense que c'est pas une bécane pour lever. Elle a pas encore les pièces assez modifiées pour, mais en tout cas, donnez-moi des conseils dans les commentaires pour lever ça. Ouah. Et j'essaierai d'appliquer ça, mais je pense que déjà il faut changer le pot et ça lèvera déjà un peu mieux. Toi, tu t'en penses quoi? Bah, j'en pense que, frère, moi je suis pas vraiment un expert pour les wheeling, mais. Je pense que la bécane elle est pas faite pour. Bah, je pense qu'il y a une astuce, mais il faut utiliser un autre truc, je pense. Ouais, parce que là l'embrayage, j'ai l'impression que ça va. Bah, ton embrayage, genre, il est grave léger. Ouais. Je sais pas, en tout cas, dites-moi dans les commentaires. Et puis on essaiera de lever ça prochainement. Là c'était plutôt un échec même si la roue a décollé. Oui, la roue a décollé. À un moment, la roue a décollé. Donc on a réussi le défi à 30%. Bref, on essaiera la prochaine fois de tenir. Bonne vidéo, bonne soirée. Salut les mecs.